Ambiance particulière ce lundi matin sur le boulevard Nangiabrogwa à Agame. L'opération de dégapissement initiée par la mairie a effectivement débuté. La terre principale a été débarrassée des commerçants. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour assurer la réussite de l'opération. Les commerçants, leurs articles en main, espèrent une fois les forces de l'ordre parties se réinstaller. Pour eux, cet endroit représente leur gagne-pain. On n'a pas l'argent d'aller prendre un magasin. Moi, non, je suis là, je suis une mère de 4 enfants. Mon mari n'est pas là, je vends, je viens pour nourrir mes enfants. On n'a pas l'argent d'aller payer un magasin 20 millions, 100 millions. Nous, on sait que quand on déborde là, ce n'est pas normal. Mais on est obligé. Tu as vu, c'est maintenant que je viens. On est obligé de venir parce qu'on n'a pas quelque part où on va partir. Je paye une maison 15 000 francs. Je vais m'occuper de mes enfants. Pour le maire d'Agame Issouf Sylla, plus question de céder au pardon. Sa préoccupation aujourd'hui est de donner à sa commune une image plus réalisante. Nous allons organiser le parking. Parce que ceux qui viennent les samedis, dimanches, puissent garer aisément. Et peut-être, je n'ai pas discuté avec mon conseil encore, ça pourra créer des emplois pour nos jeunes. Nous sommes en train de créer un nouveau marché au niveau de la Makassi, où il y a aujourd'hui 8000 places. Si elles sont intéressées, qu'elles aillent au marché Kadisila, sur la route d'Abobo, en face de Makassi, il y a 8000 places qui les attendent. Plusieurs accidents, dont de nombreux cas de décès, ont été enregistrés sur cette voie à cause de l'occupation anarchique de la chaussée. La mairie entend rompre avec ces situations malheureuses. Cette opération, selon les propriétaires de magasins, est la bienvenue. Selon eux, la présence des commerçants ambulants dérange leurs activités. Les clients ne peuvent pas entrer. Nous, je prends l'exemple sur l'année. Par exemple, les trois derniers mois de l'année, il est impossible qu'un client ait accès à ce qu'il vient acheter la marchandise. Alors que nous avons, comme on appelle, des dettes. L'opération, rassure les responsables de la mairie, sera pérenne. Il y a des agents véreux à qui on vient donner des sous et c'est ça qui les réinstalle. Le maire a pris des décisions. Le maire a décidé que l'agent qu'on verra dans cette situation-là, il sera licencié. La commune d'Agame, selon la municipalité, reçoit par jour environ 2 millions de personnes en transit. Le dégapissement des trottoirs fait partie des grandes actions qu'entend mener la municipalité pour faire de cette commune une commune où il fait bon vivre.